Saint-Lucien, chapitre 5, on prend le verset d'après vous, c'est verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Parce que tout le monde prend le verset. Priez sans cesse, seulement. Le livre 1 Thessaloniciens, c'est une épître polynienne. Ou encore l'être de Paul. C'est Paul qui écrit. Notre épître pour l'écrit, vous jouez Romain, c'est premier épître. Vous jouez 1 Corinthien, 2 Corinthien, vous jouez Galates, Éphésien, Philippien, Colossien. Ça fait 7, 8, 7, c'est 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, c'est 8e. Que Paul écrit, une tienne épître. Et aujourd'hui, deux Thessaloniciens, Vénitile, Philémon. Ces 13 épîtres ont été rédigés par l'apôtre Paul. Nous allons dire épîtres de Paul, épîtres polynésiennes. Mais ils ont été écrits dans des circonstances bien spécifiques. Et Paul a encouragé les chrétiens thessaloniques, les chrétiens thessaloniques, dans la prière, les diplômes de Béré. Bien courage, il a été attaché, soudé, ancré dans la prière. Parce que pour comprendre, la prière c'est la base de tout chrétien. C'est le fondement chrétien la prière. C'est la racine pivotante chrétienne. Sans la prière, on ne peut pas faire vie, on ne peut pas faire efficace, on ne peut pas faire rien. C'est dans l'optique ça. Nous demeurer dans la prière. C'est dans le même sens ça maintenant. Nous voulons encourager à créer ces ça. Vous priez ça, mais sans cesse. En fait, c'est quoi la prière? Ça vient. La prière est un temps de communion avec Dieu. Prière, c'est un temps de communion avec Dieu. Lorsque vous priez, c'est une communion où il y a un bon. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. La prière, c'est parler. Parler avec Dieu. Les prières, c'est communiquer. Communiquer avec Dieu. Et la prière, c'est la respiration de l'âme. L'âme. L'homme est devenu tripode. L'esprit, l'âme, le corps. Et nous connaissons l'âme, c'est siège l'homme, même siège l'homme. C'est siège l'homme, c'est la partie immatérielle de l'homme. Mais c'est siège là, la émotion, volonté, désir, etc. C'est siège là. Et si on ne pas prier, ou pas en communion avec moi, non, nous sèche. Ça fait partie de notre vie. Eh bien, la prière, il y a une importance capitale, c'est la respiration de l'âme. Un chrétien qui a cessé de prier, je dis, a cessé de vivre spirituellement. Tout chrétien qui suspend prier ou suspend vivre spirituellement. Parce que c'est dans la prière pour entrer en contact avec l'eau. La prière, c'est l'ascenseur qui nous conduit devant les trônes de Dieu. Le volume dit, il n'y a pas bien. Bon, le moment où vous comptez l'ascenseur, la prière. Les prières, c'est l'ascenseur que l'il y a, qui est capable de lever les trônes, qui permet de lever les trônes. Et si vous ne pas prier, vous avez un problème. Ça veut dire, le résultat de la prière, la prière, c'est la fenêtre du ciel. Ça me dit là? Vous vous sentez fenêtre? Ciel. C'est la prière qui va ouvrir le ciel à tout Christ. Hein? C'est les qui va ouvrir le ciel. C'est pas la prière. La prière. Ma
premièrement, il détermine, déterminant pour la victoire. Pour faire victoire, on peut gagner dans la rue. Et puisque l'Église sur le plan spirituel, faut qu'il y ait des soldats, des vaillants et héros qui deviennent dans la rue. Pour ça, mes amis, pour qu'on prie, pour qu'on aborde la rue. Dieu écoutait, il dit, personne n'est capable de voir.
Et vous êtes dit, moi, regardez, vous ne pouvez pas capter votre présence. Capitaine, vous ne pouvez pas passer des deux. On est mon Dieu, pas de personne qui a commis des bons coups. La lumière de Dieu est inaccessible aux hommes. Vous ne pouvez pas résister devant la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas regarder le visage de Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu. Et Moïse, c'est pourtant Dieu dit, moi, je parlais dans le songe, dans la révélation avec le Dieu de l'amour, vous ne parlez pas ça. Ça passe moi. Ça fait ça moi qui demeurais dans la rue. La prière. Moïse connaît. Dieu fixé sur l'invisible par là. Parfois. La prière n'est pas qu'elle n'est pas. Moïse était de notre Dieu. Il demeurait en vie de prière. Moi, je demeurais en vie de prière. Allez. Dans la traversée du désert, les Amalécites et Amalek nous sortent pour attaquer Israël. Moïse campait avec deux malades. Deux malades. Depuis grand matin, depuis des millions d'hommes, deux malades, c'est par la prière. Et différentes formes, différentes manières, ou capables, différentes postures, qu'on va prendre pour bien bon Dieu. Et les Moïse fatigué, ennemiant, lui remporter la victoire. Deux armes et une. Et deux Moïse en deux Moïse. Et puis, soleil est levé. Ça se bouge et il y a donc tombé à côté de moi. Dans la matière, nous rappelons ça. Devant la prière, pas qu'il y a absolument un lien dans la blanche. Et lui, pas dans la blanche, quand même. La prière, c'est ça qui lui but du sang. Le chrétien. Le chrétien. Le résultat de la prière. Nos requêtes de prière peuvent apporter la délivrance. Une nation. Les amis là, nos requêtes de prière peuvent apporter la guérison, la délivrance pour une nation. Voilà, si tu as ce pédalier là, l'église capable libérer le peuple. Mais c'est pas ça qu'on va faire dans la rue là. Il est clair, c'est demeurer, habiter, vivre dans la rue, la guerre. Parce qu'il dit ça en 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, sur les rues, prie, cherche ma face. Je me sauverai, sur. Je guérirai son père. Et je pardonnerai son père. Puis, ouais. De Chroniques 7, 14. Et si peuple ça, humilié, il cherchait, il demeurait dans la prière, m'a pardonné de chier, m'a guéri et m'a délivré, paya. T'as pas encouragé aux exilés de Jérusalem. Priez pour pays en captivité. On donne des points de paix. Mais ça, pas de l'homme. Absolument rien à faire en dehors de la paix. La prière. Surtout dans la rue, vous faites, moi je ne pas dire ça. Mais c'est dans la paix. Parce que la Bible est assez pour moi, pour chrétiens fonctionnent. De Genèse à Apocalypse, c'est mettre en Christ soudé de venir dans la paix. La prière. La prière. Et dans la prière, son nom est avec la foi, la pétition, ceci. Ouais. Dans Psaume chapitre 2, verset 8, dans le dit. Dans Psaume chapitre 2, verset 8, on regarde ça. Psaume chapitre 2, verset 8, il dit demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Psaume 2, verset 8, demande-moi. Et je dédonnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Mandez seulement dans la rue, comme vous mandez, dans la rue, la prière. Et Dieu n'a répondu, prière. C'est prière qui tout le monde. Sans la prière, on ne va pas faire rien. Absolument rien. Regardez ça, Jérémie 29, verset 7, 10. Concernant la prière. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du ciel. Dans la prière, tout paraît beau, tout paraît beau. Matthieu, c'est ça la prière de ma parole.
Le résultat de la ruine, non seulement le résultat de la prière, mais c'est la prière qui purifie, non. La prière purifie l'âme. La prière purifie l'âme. Pour nous avons purifié, c'est dans la prière. Ok, ils ont oublié. La prière fortifie la foi. C'est pas la prière pour la foi fortifiée. Hein? C'est pas la prière pour la foi fortifiée. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration, le seul que les papas. Et pour la foi possédée, les encyclopédies de qui mangent pas droit. C'est pas la foi. Un chapitre de la foi. La foi qui fait la foi. Mais c'est dans la prière. La prière. La prière donne la joie parfaite. Selon Jean 16, verset 24, la prière donne la joie parfaite. La prière. La prière prépare des ouvriers pour le combat spirituel. Là, tout sauf la part de la bataille, il y aurait des soldats qui parlent de la bataille sur le spirit. Tu as d'abord compris, mais c'est deux qui sont dans l'armée. Les gens ont des résultats. La prière suscite le réveil. C'est la prière qui suscite le réveil. C'est dans la prière pour réveiller, pour vous réveiller, les gars, éclater. Les gens ont pas le vivre. Le résultat de la prière, la prière. La prière produit des résultats surnaturels. Tu ne vas pas même comprendre. Et la prière permet de donner, il fait le fait. Donc, les sous-problèmes, ça y aurait, les sous une fois pour tout, sur le plan spirituel. Mais c'est dans la prière, la prière. Et pour prier, mais qu'il n'y a aucune grâce, et qu'il n'y a au plus profond, et leur fondement ne peut pas le pouvoir malgré. Parce qu'ils ont cherché de tout cœur, c'est pas vrai? De tout cœur, sans la prière, c'est en fait. Mais moi, quand je cherche mon Dieu, bien, il prie pour mon Dieu que lui, qu'il prie. Et la prière, c'est aux âmes indispensable dans le combat spirituel. Les âmes indispensables. C'est même nous, un. C'est beaucoup de venir dans la prière. La prière permet nous. Toujours en communion avec vous, la prière nous permet d'être toujours en communion avec Dieu. C'est dans la prière, dans la prière. C'est la prière qui ouvre sur nous. Dieu a dit, la prière ouverte sur qui permet de nous voir, de nous fixer sur vous, de vos projections, hein, projeter les lois, au regard sur vous, Dieu. Ça a une fondamentale. C'est ça. Monsieur, vous comprenez. Moïse comprend ça. Leur prier, il permet de obéir à la voix de Dieu. Pour obéir à la voix de Dieu. Leur prier, vous permet de approcher le bon Dieu. Leur prier, il permet de ne pas tomber dans la tentation. Jésus, Dieu, le fondateur de Matthieu 4, 4, ça a donné dedans. Jésus campé. La parole, c'est Jésus. Jean 1er, au commencement, il était la parole. La parole était dans le Dieu. La parole était Dieu. Et toutes les choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était là. Et Jésus, tout personnifié. La parole. Parce que c'est la parole. Et le monde de Satan avec la parole. Mais tu étais dans la prière. La prière. Mais dans la prière, quand tu connais à part. Par exemple, ça a eu sans la bruit. Vous comprenez quand ton fils, il a des fois parmi les lois, moi je crois qu'on va pas battu. Mais puisque c'est sol, il faut toujours sous la balle, toujours, mais on se bat, chercher mon Dieu par la bruit. La prière, il permet de camper devant la table. Surtout dans le 21e siècle, ça va. Dans le temps présent, monsieur, le temps présent, le temps T, le temps présent, ce n'est pas arrêté, non, mon Dieu, pour tomber pas. Le résultat de la prière, leur prier ou demander à Dieu la sagesse, ouais. Il y a le sapiens, c'est sagesse humaine, mais il y a l'autre, c'est sagesse divine. Le roi Salomon, troisième roi en Israël, Saül, David, Salomon. Selon toute l'histoire,
Parce que depuis le message de Salomon, la Bible parle de ça, oui. Et pourtant, Salomon parle de mots de sagesse. On dit destiné que sagesse humaine n'a pas suffi. Pour diriger le peuple, ça, il me dit sagesse divine, donc l'histoire des dames, Dieu, Dieu, etc. Ok, sagesse divine permet des juges, jugement, les salariés, esprit de discernement, esprit de discernement, l'on prie, ok, esprit de discernement, mon papa discerner. L'on prie pour réclamer la plus puissante de Dieu. C'est dans la prière, dans la prière, c'est possible. Dans la prière. Et l'on prie, c'est cet esprit pour Dieu qui prend des grâces. L'on prie. Des grâces. Il doit prier cet esprit pour Dieu là-bas. Là-bas, aujourd'hui. Mais cet esprit salé, c'est un formateur, éducateur, professeur. C'est le cas pensé, il est au moment de venir s'attacher, leur attrister, nous sommes du moment pour les problèmes. Il est au moment de nous dire, mais là, je crois. Mais tout ça, c'est si et seulement si vous demeurez dans la nuit, à la prière, pour avoir le résultat de la prière. Comment quel résultat la prière va être? Mais ce sont des résumés faibles, parce qu'au compte, ça va plus la déjà. Mais moi, je m'attends pour rester, tu verras dans la vie. À la prière. C'est la prière qui va permettre de triompher, de triompher. C'est la prière qui va permettre de remporter la vie. Pourquoi? Parce que, dès nos jours, maintenant, ça a la Bible là, on est à savoir un sujet, non? Un petit calme, on peut s'en parler dans 27 ans, c'est le calme, non? Donc, un petit territoire, nous sommes dans les yeux, donc on va passer là. Maintenant, on prend du fond dans la rue, c'est eux, on entend des images, tout partout. Et Dieu fait bonjour, mais la Bible dit que ça vous fait. Les pays ont des problèmes, tel service c'est deux mètres dans la rue. Par l'homme, on a été plus si bon, l'homme, là, non. Vous comprenez? Depuis le pays où il y a des problèmes, en tant que citoyen, vous pouvez prier vous pour lui. Aussi simple que ça. Priez vous pour lui. C'est prier vous pour lui. Aussi simple que ça. Si vous voulez, pas pour lui. Mais connaissez prier pour lui. Et maintenant, ma parole, sans la prière, pas rien qui va vous résoudre. Rien qui va vous résoudre. Tout ça que vous faites, c'est par rapport à la prière. À la prière. Gédéon parle de camper, c'est grâce à la prière. À la prière. Et les campés des marques, c'est grâce à la prière. Josué à Gabaon, cinq nations mettent en tête ensemble pour attaquer. Mais Dieu par la prière, Dieu par le jeté, ça fait les confusions. Il reste pour la figure, gros roche sur ton ciel là. Et plateau, vous avez gros roche sur ton ciel là, plateau et nuit. Alors, oui, il dit mon carton et non. Dieu a non seulement la jeté des confusions, ça me fait échapper au roche à plate. Vous courez le roche, plat. Tout le monde, ça fait ça parce qu'il y a deux venus de la rue. La prière. Josaphat, l'inquiétude. Nous sommes sans faute devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux, nos yeux sont yeux. Et puis, dès ce jour, Josaphat va remonter la ville. J'ai une garçon pas de camping. Il ne parle pas, Josaphat n'est pas peur. Voilà, c'est fouillé. Comment ça, c'est l'idée de l'armée? Par la main. La guerre qui est possible de vous mettre des moments. C'est trois quarts d'eau, le quartier, dans cinq continents. La mer a masse d'eau à la donne. Oui, j'en ai. Vous connaissez ce que nous faisons pour la balade là, en 2010, après 12 janvier? Eh bien, partout, on n'a pas de faire dans la mer. Ça, on va la connaître. Ouais, la voilà claire. Mais marche pour ça. J'aurais là après trois fois cinq continents. Moïse campé par la prière en tout bas. Petit bâton. Ouais, marche de haut. Oui. Et pour que la foi et vous prie, ils sont venus vous dans la fête là. Moïse campé au petit bâton. Oui, oui, petit bâton. Répétez la prière. Puis la mer haut. Le résultat de la paix. Il n'y a rien pour tout le monde. Alors, il est dans la paix. Dans la paix. Pour adjoindre les couilles, vous sonnez, la
déjà, déjà. J'étais funeste. Parce que je me prosternais devant l'image d'Aïe, devant les idoles, son seul Dieu qu'on est, le Dieu suprême. Il dit, oh, oh, on est au étudié, oh, à vie éternellement. Quand on vous prosterné là-bas, prosterné. Oh, mais même les notes d'amour, on va aller parler, quand on ne va pas poser, on a pas pu vous aller là, mais oh, vous me vous ne pouvez pas ne pas posséder. Alors, Jésus, théologie nous dit, quatrième personnage qui vient dans vous des arts, il y a une petite chose avec Jésus et vous. Il dit, doublé volume pour des arts, 7 fois de plus. Soldat à doublé là, va faire tuer. Et vous êtes tombé sur la première des gourmands. Pour des arts, vous venez vous dire, les rois frères, c'est sympa. Est-ce que pas lié au l'homme a exécuté des jeux de loi, oh, comme toi! C'est ton Ariel, mon roi, il s'en avait le vide. Il y a quelle situation, Jésus descend en père? Mais ça, et puis chita, pour pas aller là. Mais si, et seulement si vous devez aller à l'abri, maintenant, ma courage, rétez dans la prière. La prière, c'est l'oxygène chrétien. La prière, c'est la respiration de l'âme. Si nous mettons nos deux dans la prière, la triomphe. Sous toute puissance infernale, diabolique, satanique, et ça, on va passer la médiatrice là, pour que l'on utilise les soldats pour des solutions à eux. Parce qu'il dit, si peu de moyens, invoquez-nous, nous humilions, nous prions, nous réterrons ce soin, ma guérir le pays, ma pardonner, et ma parole à l'élite. Parce que là, ça a décidé pour que Dieu vous bénisse. Le résultat,